Coucou à tous. Alors j'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer le swap que j'ai fait en fait avec Mode sur le groupe de Rose Bococo. Il y a quelques jours, vous avez pu voir ce que j'avais reçu de la part de Mode. Et là, je vais vous montrer ce que je lui ai fait. Donc, je lui ai fait, bien entendu, un attrape-rêve dans les tons roses. Donc là, j'ai mis une perle de chez Action en bois blanc. Donc, je l'ai entouré de rubans roses. Là, j'ai mis des fleurs. J'ai mis un strass, des papillons, et un truc qu'on trouvait à Action il y a un moment. J'ai mis des pistils. Voilà. Et derrière, j'ai marqué fait main par Laetitia. Donc voilà. Je lui ai fait ça. Je sais qu'elle aime bien Mini. Du coup, je lui ai fait une petite vitrine. J'ai mis des stickers dedans. J'ai peint avec. J'avais trouvé des feutres métalliques. La peinture métallique de chez Lidl. Donc j'ai utilisé le rouge. J'ai collé les stickers. Et ici, j'ai mis de la colle. Et j'ai mis des paillettes noires. Voilà, bien sûr, je vais l'emballer. Hein. Mais avant de l'emballer, comme j'ai tous les trucs que j'ai achetés, j'ai déjà emballé. Donc voilà. Donc là, c'est mon petit mot. Là, je lui ai mis, je lui ai fait des petites bobines comme ça. Comment ça s'appelle, et je lui ai mis du ruban mauve et des échantillons de rose. Après, je lui ai fait des petits embellissements. Alors là, j'avais trouvé des embellissements comme ça, ils étaient comme ça. C'était une planche, alors vous avez des triangles et tout ça, des étiquettes chez Noz. Donc j'ai décidé de faire des embellissements. Donc là, j'ai entouré de pompons, j'ai mis deux cœurs en strass et j'ai utilisé mes petits tampons. Et j'ai colorisé avec du déco glaze de chez FDECO, le fond. Je fais une petite pince. Là, j'ai mis une petite fleur avec de la dentelle. J'ai fait des petites fleurs comme ça avec l'organza et un gros strass rose. Et j'ai mis une découpe comme ça derrière. J'en ai fait plusieurs. J'en ai fait une comme ça aussi. J'ai fait des petites fleurs en tissu. Comme ceci, donc j'en ai fait une rouge et une noire, une comme ceci, une comme cela, une comme ceci. Je vous ferai peut-être un petit tuto pour ça. Après, j'ai fait des découpes de mini tags. C'est les derniers que j'ai achetés sur AliExpress. Donc là, il y en a plusieurs, bien sûr. Hein. Je ne vous montre pas tout, mais j'en ai fait des petits comme ça. Là, c'est un des plus grands. Donc, il y en a des comme ceci. Des comme cela. Et des comme ceci. Voilà, donc elle aura de quoi faire. Mmh.
Oui. C'est à mode. Je vais t'en refaire un. Alors après, j'ai fait plein de petites découpes, des mini-découpes de perfos, de mes mini-perfos. Après, là, j'ai fait des fleurs. J'ai acheté des dice sur Wish. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré. Et ça fait des jolies fleurs. Donc, j'ai fait des fleurs comme ceci. Oh, mais toi, t'as pas... J'ai fait des fleurs... Arrête! J'ai fait des fleurs comme cela. Les bleus comme ci. Et comme cela. Voilà. Donc ça, je mets dans mes petits sachets. Alors, j'en ai encore ici. J'ai fait des fleurs. J'en ai encore là aussi. J'en ai fait plusieurs. J'ai des fleurs comme ceci. J'en ai encore là aussi, mais c'est en plus. Bah oui. T'arrêtes, oui. Donc j'ai fait des comme ça. T'as mis ta main devant. J'ai fait des comme ça. Et les plus grandes comme ça. Donc il y en a plusieurs. Madame Récran, prends ça. Voilà. Après j'ai fait. J'ai fait des mini rosaces. Donc j'en ai fait des mauves et des roses. Donc les mini. Alors j'avais essayé c'est le papier là. C'est avec le papier des. Vous savez les papiers qu'on trouve chez Action, les longues fines bandes. Donc j'avais essayé pour faire des grandes. Et à chaque fois que je faisais, en fait le papier n'est pas. Franchement, enfin, je trouve pas terrible. Donc, il craque. Donc, du coup, j'ai réussi à en faire des petites pour récupérer le papier, pour pas le jeter, bien sûr. Donc, j'en ai fait des plus petites. Donc, vous avez les mauves, comme ça. Et là, sur le bord, j'ai mis du Ink of Stella de chez Stampin' Up. Que j'aime bien utiliser. Et vous avez les roses. Comme ceci, pareil. J'ai fait pareil sur les bords. Je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis aussi du... Voilà. Donc voilà mes toutes mes petites créations. J'espère que j'ai rien oublié. Ah si, là aussi. Donc là, là j'ai fait les nouvelles découpes de chez Action et je les ai colorisées. J'ai fait les comment ça s'appelle? J'ai fait les cupcakes. Je les ai colorisés avec les encres gel. Donc je les ai tamponnés et après j'ai embossé avec la transparente et ça fait un effet comme ça. Et j'ai fait plein de petites découpes avec des tamponnages. Donc avec les tampons que j'avais achetés. Donc Love, Unreal Today, enfin il y a plein de... Il y en a plein dedans. Donc voilà. Et ma dernière création, c'est un embellissement
Brand Embellishment Box. Personnalisé à son nom, à son prénom. Madame Décrin. Donc, c'est pour mode. Donc, je l'ai fait comme ceci. Donc, j'ai mis du tissu en lin. J'ai collé dessus du... Comment ça s'appelle ça? Je sais plus. Du tulle. Du tulle à pois blanc. J'ai collé un cœur ici. Des papillons en strass. Là, j'ai mis une demi-perle. J'ai mis un gros strass rose. Là, ici, une fleur blanche. En perle. Une feuille en résine. Vous avez la feuille d'action. Ça, c'est une fleur que Betty m'avait fait, qui m'avait envoyé. Les fleurs d'action là, ici. Et bien sûr, je l'ai rempli. Donc j'ai mis. S'il vous plaît, je peux avoir ma. Je lui ai fait des embellissements en plâtre. Donc vous avez le papillon. Le plus petit. Là, j'ai mis un cadre comme ceci. Un comme ça. Après, je lui ai mis des petits trucs comme ça. J'ai mis des passe-rubans en attache parisienne. J'en ai mis plusieurs. Ça, c'est les attaches. Et après, j'ai mis des washi. Alors, vous avez celui-là, celui avec la flèche et les cœurs. Et vous avez le happy. J'espère que ça lui plaira, tout ça. Je vais ranger parce que sinon, j'ai oublié la moitié. Voilà. Après ici j'ai mis des papillons comme ça en mousse bordeaux. La... Oh, Nolwenn, s'il te plaît, t'as bougé la caméra. J'ai mis des embellissements en bois en forme de plume. Il y en a plusieurs, hein, bien sûr. Et là j'ai mis des embellissements en papillons rose. Voilà, rose pâle. Voilà. Ici, j'ai mis quelques embellissements de action. Là, avec des, il y a des breloques. Là, j'ai mis quelques pistils. Et j'ai mis les bandes. Ben, elle aussi, elle m'en avait mis. Et moi, je les ai mis dans ça. Mais je crois pas que c'est les mêmes. Voilà. J'ai rigolé parce qu'on a eu la même idée. Ici, j'ai mis deux pochettes comme ça, remplies de petits strass. Voilà. Donc, elle est bien chargée. Et après, je lui ai mis des rubans. Donc, je lui donne les cœurs. Là, je lui donne les animaux. Les poissons. Et les demoiselles. Voilà. Attends. Après, je lui ai mis 14 paquets. Donc, je vais devoir faire le menu. J'ai déjà préparé, mais je ne suis pas une pro des emballages cadeaux. Hein, mais ça, je lui avais dit. Et bon, je ne peux pas vous les faire voir. Donc, vous le verrez sur sa chaîne certainement. Et mais sinon c'est tout ce que tout sur la thème de la rentrée et voilà. Et ici je lui ai mis un paquet, enfin je lui ai mis plein de sequins, donc elle pourra regarder. J'ai mis trois boîtes, même il y a tous les sequins dedans. Voilà,
Sinon, sur ce, ben voilà toutes mes créations. J'aurais aimé faire plus, mais on n'a pas toujours le temps. On n'a pas toujours le temps, donc. Mais j'espère que ben ça lui plaira. Donc voilà. Bon, je vous laisse là. Et j'espère à. Bah oui. À une prochaine vidéo. Bye bye.